Bonjour, monsieur Lucifer. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. On est là pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu la Whoop, enfin la Whoop Box, le petit colis de mois d'août. Du coup, on va s'ouvrir ça tout de suite. Là, poup, poup, poup. Comme d'habitude, ça s'ouvre toujours de la même façon. C'est un petit aimant. Ils sont pratiques, cette boîte. Du coup, cette fois-ci, c'est un petit papier jaune. J'ai le premier goodies. Voilà. Je vous le montre. C'est un sac. Voilà. Un sac pour aller chercher vos livres. Où vous voulez. Il est très beau. On l'a déjà eu pour ceux qui l'ont déjà vu dans une précédente vidéo. Voilà. On avait déjà eu aussi ces petits porte-verres. Avec le logo, ils sont même juste ici. Si je retire ça là, ils sont là. Vous voyez, je les utilise. Vous voyez, on voit la différence. Ceux-là, je les utilise, qui sont là. Hop, voilà. Je vais laisser là. Du coup, voilà les deux nouveaux. Puis, on a toujours les deux petits marque-pages comme ceci. Ils sont très beaux. Avec le, toujours la petit, un petit mot. Et ce qui nous intéresse, c'est ceci le plus. Voilà. Du coup, on va regarder. Vous voyez, il y a bien deux livres. J'en prends un au hasard. Hop. Celui-ci. Il a l'air pas mal. Enfin, je sais pas plus. Les saletés grosses. Saliers. Salier, grosse, de chez Pocket, ouh là là, je vais dormir, je suis pas bien dans mon assiette aujourd'hui, de Charlie Ménétri, je ne sais pas quoi, je ne sais pas de quoi ça part, entre Tantine Daniel et le vieux qui ne veulent pas fêter son anniversaire, d'accord, ok, Jeanne est furieuse qu'elle a été placée en maison de retraite par ses enfants. En chacun se renvoie la balle pour déterminer qui a été intervisé par Jeanne. A beau avoir 81 ans, elle n'a pas dit son dernier mot. Son plan simulé la descendre des ménages et les rendre tous dingues. Sauf que le lien dans lequel elle ne savait n'en voyait qu'à l'hospitaliser va lui révéler bien de surprises en prenant part d'abord sur la pointe des pieds. Puis avec des armures sur la pointe des pieds, j'ai fait qu'est-ce qu'on lui a connaît on la connaissait plus au rendez-vous régulièrement à une clinique de pensionnés plus agile qu'un mange pas mon sac toi un colonne de vacances, Jeanne va se réveiller dans un plan de personnalité qu'elle pensait n'a jamais s'enfuir et résultat l'espoir et surtout au dab qu'on ne dit des bêtises ne sont pas qu'un jeu d'enfant. Voilà, voilà la couvre. J'aime bien le petit côté manger. Je sais pas combien de pages il fait. Il fait, ouais, 300 pages. 301 pages. Ça va aller vite. Et le deuxième, c'est... Vous le voyez pas, moi je le vois. C'est celui-ci. Voilà, vous voyez bien le nom? Streck. Une seconde chance pour un premier amour. De chez Hugo Poche aux éditions New Roman. Du coup, ça parle de quoi? Tout a commencé par
l'invitation d'un mariage. Mon ex-fiancé, j'aurais dû ignorer, le mettre à la poubelle, la brûler, même si je ne l'ai pas fait, je devrais accompagner. C'est là que j'entre en scène. Le nom est imprononçable. Je veux dire, c'est H-A-Y-E-S. Je sais pas. Au cinéma, l'homme qui a rêvé a ravi le cœur des millions de fans pour le premier amour. Tout le monde jusqu'au jour où il a pris la tendance pour poursuivre ses rêves sans la moindre retour. Lorsqu'il s'est pointé sortant de nulle part 10 ans plus tard, j'aurais dû refuser qu'il m'accompagne au mariage de mon ex. Je n'aurais jamais dû le laisser m'embrasser, mais je ne l'ai pas fait. Mon premier amour, ce ne l'oublierai pas facilement. La question est de savoir si nous préférons oublier notre histoire ou si nous prenons le risque d'avoir ce qui s'est passé. Une histoire, une seconde chance pour un auteur de la série Cruel Drève. Moi, qu'il est beau. Celui-là, il me tente bien. Pourtant, je suis dans mon livre, mais... Dans mon autre livre, il fait plus de 500... 554. Voilà pour mes deux bouquins que j'ai reçus dans la box. Bon, celui-là me tente plus que celui-là. Celui-là, il est... Je sais pas, il me... J'hésite à pas le mettre en vente, je sais pas. C'est à moi mon style, quoi. Je sais pas. Je ne sais pas, j'hésite encore, je vais voir. Voilà pour les deux livres que j'ai reçus. Dites-moi en commentaire lequel que vous préférez. N'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus, de un petit commentaire. Et sur ce, moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.